de Cascada Café Retiro à Popayán en Colombie. Avec mes vidéos, je fais ce que je peux pour l'évolution de la conscience humaine et j'apprécierai votre aide pour diffuser ces informations importantes. Veuillez vous abonner pour recevoir les dernières vidéos. Je vous remercie. La bénédiction que nous apporte le coronavirus est que la prise de conscience augmente de façon exponentielle partout dans le monde. Il faudrait être aveugle, sourd et stupide pour ne pas reconnaître que ce qui se passe n'est pas normal et non justifié. Avec cette histoire de coronavirus, il est évident de voir le pourcentage extrêmement élevé de personnes qui croient cette histoire. Les gens sont si facilement contrôlés parce qu'ils sont maintenus dans l'ignorance et pire encore, les gens défendront leur ignorance en utilisant la déclaration classique. 99% ne peuvent pas se tromper. Ma réponse est ⁇ Oh, vraiment ?⁇ Dès que vous acquérez des connaissances, vous ne pouvez plus être contrôlé ou victime. La liberté d'expression est la liberté de parler. Si quelqu'un n'est pas autorisé à parler, ce n'est pas la liberté de parole c'est la liberté de se conformer. Les médias principaux appartiennent à cinq grandes entreprises et vous n'obtiendrez pas ces informations et la vérité de la presse. Je suis ridiculisé par mes membres de la famille pour avoir écouté les médias alternatifs. Tout ce que j'ai créé sur YouTube et shoot est complètement ignoré par tous mes amis et ma famille. Malheureusement, la programmation de la majorité des personnes est si profonde que écouter la vérité est presque une impossibilité. Mais je continue avec l'espoir. Il faut d'abord vouloir ouvrir le mental, sortir des mensonges traditionnels et apprendre. Ensuite, vous pouvez essayer d'informer votre communauté. Nous avons tous une responsabilité envers nous-mêmes et envers les autres. Utiliser l'excuse que personne n'écoute n'est qu'une excuse pour continuer à être dans le, la passivité et l'inaction. Nous sommes des individus, même si nous travaillons en groupe. Nous devons faire notre propre travail au niveau individuel. Évoluer dans la conscience est ma propre responsabilité. Je ne peux pas bénéficier des autres qui font le travail. Le docteur Boutard nous informe de cette information urgente concernant une résolution de la maison qui a été initiée le 1er mai 2020. Résolution de la Chambre 6666. Ce n'est pas une exagération. La règle 66 ou la résolution 6666 de la Chambre concerne la loi COVID-19. Sur les tests et les contacts avec tout. Cette loi vise à permettre à des individus d'entrer dans votre maison. Si vous avez une toux ou si quelqu'un de votre famille a la toux, la fièvre ou quoi que ce soit d'autre, il détermine que vous avez COVID-19 avec ou sans test. Rappelez-vous que le test montre le plus souvent un faux positif et ils l'utiliseront pour vous éloigner de vos proches, en particulier vos enfants, sous prétexte de sécurité publique. Votre enfant doit vous être retiré parce que vous avez COVID-19. C'est comme ça que tout commence. Et si vous ne faites rien, car une petite personne ne peut rien accomplir, un jour vous prendrez, perdrez tout, car tout ou tard, ils viendront vous chercher. Si vous êtes prêt à renoncer à la liberté pour une certaine sécurité, vous perdrez à la fois la liberté et la sécurité. Diffusez cette information avec votre réseau social. Transmettez-le, car demain, ce sera votre famille. Veuillez entrer en action maintenant et faire le choix. Entre écouter votre mental, l'ego et les autorités extérieures ou écouter votre âme, l'autorité intérieure. La pandémie de coronavirus est une force psychologique qui est utilisée pour asservir complètement l'humanité à tous les niveaux possibles grâce à la technocratie. Choisirez-vous de ne pas participer ou simplement d'acquiescer à l'esclavage total? Il n'y a pas de solution gouvernementale. Nous devons d'abord nous souvenir de qui nous sommes et ensuite comprendre ce que nous faisons ici sur Terre, spécifiquement à cette époque. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, partager ces informations et rejoignez-nous dans cette aventure. Je souhaite participer à la création de petites communautés autonomes. J'ai été béni avec du temps et j'ai créé cette nouvelle vie en dehors du système de contrôle totalitaire. Je ne fais je n'ai pas de réponse à ce que vous devez faire, mais je souhaite partager de toutes les manières possibles. Si vous avez des suggestions, veuillez me contacter. Mes coordonnées sont ci-dessous. L'assistance d'achat de terres agricoles en Colombie et en Équateur. Les terres agricoles sont un investissement judicieux et tout, toujours très économique dans ces pays. Séjour de longue durée sur une ferme colombienne, 120 USD par semaine, 420 USD par mois. Cours d'espagnol. Atelier Conscience de la vérité ou Cascade à Café Retire en anglais, espagnol et en français. Traitement dentaire de haute qualité jusqu'à 75% d'économie en Colombie et le traitement de la migraine avec l'appareil dentaire NTI. Amour infini.